Mes chers amis, levez-nous. Bénis-nous, ta vie, comme ma vie, ta vie, pour bien. Mes chers levez-nous. Mes chers amis, levez-nous. Chaleureuses salutations à tous, béninoises et béninois. Dagbovi ou non, vous qui entendez ma voix en ce moment, à l'intérieur du pays et au-delà des frontières nationales, tel que nous avons coutume depuis 2 mois, de vous entretenir de plus en plus amplement sur la mission de Banamé, nous voici encore au rendez-vous du mois d'août 2018 pour poursuivre. Chers internautes, le mois dernier, nous vous avons entretenu sur plusieurs thèmes, dont la genèse de la mission de Banamé et ses débuts. Les 3 figures emblématiques de la mission de Banamé que sont le pape Christophe XVIII, Parfaite et Nicole, et leur identité spirituelle, les débuts des hostilités envers Banamé et les raisons. Comme annoncé le mois dernier, chers amis lecteurs et auditeurs, nous avons promis de vous revenir ce mois d'août avec des thèmes nouveaux pour vous permettre de mieux approfondir vos connaissances sur la noble mission de Banamé et de recadrer au besoin vos appréhensions antérieures, maintenant que vous êtes de plus en plus dans la lumière des vérités de cette mission. Banamé Wambé, bon, des micros tout bon. Mais non, le parfait ici en bazar, il y a ça, le beau bien, mais. Beau bazar, t'es des rideaux. Beau sort papa, il ronde dans l'oumia, il s'en moye, beau timé, mais non, oui, il y a l'oumia. À l'avènement de la mission de Banamé, comme vous le savez déjà, c'est dans le corps de celle qui s'appelle Parfaite que moi, je suis rentré et ai commencé à jeter les premières bases visibles de la dite mission en procédant à l'intronisation du pape Christophe XVIII, dont je vous ai assez décliné l'identité spirituelle. Nicole, quant à elle, est la représentante sur terre de la Vierge Marie, de celle-là qui a pleuré pendant 13 siècles pour que cette mission aujourd'hui soit. C'est dire que les tâches qui lui incombent dans cette mission sont bien grande et complexe, puisque les hommes ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et n'ont point changé de nature depuis 2000 ans où j'ai envoyé parmi vous mon unique fils engendré Jésus-Christ. Ils ont encore déclaré la guerre contre la mission et de façon plus violente et plus engagée qu'il y a 2000 ans. L'homme déclara la guerre à Dieu sur sa propre terre et les hostilités ont ainsi commencé. Il y eut une levée d'armes généralisée de la coalition universelle de toutes les forces du monde des ténèbres sur Banamé, car sachez-le bien, tous les suppôts de Belzéboul, nom authentique de Satan, savent par eux-mêmes que c'est Dieu qui a pris chair à Banamé. Qu'ils vous souviennent que j'ai eu à vous dire la dernière fois que Belzéboul est un esprit jadis pur, que j'ai créé archange de mes propres mains et qui par désobéissance s'est retrouvé dans cet état. Autrement dit, tous les suppôts de Belzéboul, avec le concours de sa force, voient dans l'invisible. Et c'est ce qui explique que les devins, les féticheurs, les charlatans font des consultations à leur sujet sur le monde invisible. Dagbovi, sachez-le, quand je le décide, malgré les pouvoirs que Belzéboul leur a donnés, ces devins n'arrivent plus à rien voir et perdent complètement les pédales pour ne se contenter que de mentir à leur sujet. Et quand Jromion, Belzéboul si dévié le wèké yomè le bikotundo. Ma ou sa gbaza. Tous les suppôts de Belzéboul dans le monde savent que Dieu appréciait et ils se sont mis ensemble pour déclarer la guerre à Dieu. J'ai eu à vous dire la dernière fois que mon fils unique que je vous ai envoyé dans ce monde est quant à lui vrai Dieu et vrai homme. Donc, vous avez la possibilité de tuer ce corps comme vous l'aviez effectivement fait. Mais son identité de Dieu qui s'est cachée dans ce corps-là et appelé Jésus a survécu et est allé s'asseoir à la droite du Père. Aujourd'hui, j'ai conçu Parfaite à l'image de moi-même. Elle est immortelle. Car si j'acceptais qu'elle soit tuée, je ne pourrais plus faire le nombre d'années que j'ai prévu pour cette mission. Or, je n'ai pas prévu prendre un autre corps et les hostilités vont montrer. Chers auditeurs, amis lecteurs, la mission de Banamé est un combat d'une envergure qui dépasse l'entendement humain. C'est une calamité qui a embrasé d'un coup la création entière. Je parle en parabole quand je parle de calamité. Je ne sais pas si, lors des épisodes passés, j'ai eu à vous dire ceci. Je ne fais pas du spectacle. Je ne suis pas un faiseur de miracles. Mais j'agis. Je
Père, j'accomplis. Et mes enfants, les Dagbovi, sur une scène d'action, me reconnaissent à mes empreintes que je laisse, à mon mode opératoire et au bilan de mes assauts. Voici que le compresseur universel a débarqué dans le monde et que les compresseurs agités des innocents doivent se ranger. Les déchaînements de passion constatés ici et là à l'encontre de la mission de Bonhomme sont tout à fait justifiés. Le contraire devrait étonner. Si le monde était dans les délices et baignait dans la paix, la joie de vivre, le bonheur, je ne prendrais pas cher. Ma présence parmi les hommes est pour cause. Elle n'est pas décorative, mais nécessaire pour l'humanité. C'est pour restaurer ce monde défiguré que je suis parmi vous. Mais les auteurs de ce désastre sont Belzéboul et ses suppôts qui en sont les seuls artisans. Ce sont eux qui bouleversent le monde. Celui qui a sa maison et dans laquelle se fait autant de désordre, s'il n'agit pas un jour pour rétablir l'ordre, ne serait-il pas traité d'irresponsable? Voilà le but de ma présence dans la chair parmi vous aujourd'hui. Maintenant que Dieu est dans la chair parmi vous, quel effort avez-vous fourni, béninoises et béninois, à chercher à le connaître? C'est parce que Dieu n'existe pas que la vie est remplie d'amertume? Non, c'est parce que vous n'avez pas recouru à Dieu que la vie est remplie d'amertume. Voilà par exemple une déclaration de foi. J'ai horreur d'entendre. C'est parce que Dieu n'existe pas que je souffre. Ou c'est parce que Dieu est incapable que je souffre. Il faut plutôt dire, je n'ai pas recouru à celui qui peut me secourir. C'est parce que je me suis comporté ainsi que je n'ai pas eu le salut. Quand on est malade, on se rend à l'hôpital. Je ne me suis pas référé à la bonne personne. C'est pour cela que je ne suis pas guéri. Le malade qui refuse de se rendre à l'hôpital et qui avance comme argument que c'est parce qu'il n'y a dans le centre de santé aucun agent fera beaucoup mal aux agents de santé quand ils l'apprendront. La situation d'un malade qui refuse de se rendre à l'hôpital peut s'expliquer de la manière suivante. Soit il ne veut pas faire des injections, soit il ne veut pas dépenser. Pourquoi l'homme ne recourt-il pas à Dieu? Soit il ne veut pas renoncer à ses mauvaises habitudes qui n'honorent pas Dieu. Soit il ne veut pas rebrousser chemin et abandonner le diable au risque que Dieu lui dise « Adore-moi et moi seul ». Voilà qu'il n'a aucune foi, ni l'assurance que Dieu seul peut le sauver, puisque le diable a déjà induit en lui un dérèglement mental et lui a miroité qu'il est très capable. Sinon, comment comprendre qu'un chrétien, après le culte, se rend chez d'autres divinités? Tu ne peux pas être chrétien et que l'on te retrouve encore chez des devins. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et pourtant tu te retrouves au sabbat nocturne. Voilà comment vous êtes. N'est-ce pas pour empêcher le diable de chambouler vos vies que le Seigneur Jésus-Christ est venu? N'est-ce pas pour empêcher le diable de détruire jusqu'au bout vos vies que le Seigneur Jésus est venu avec la bonne nouvelle et qu'il vous a légué cet héritage pour les générations à venir? Afin qu'ils adorent Dieu et Dieu seul pour avoir le salut, à qui a-t-on légué l'héritage? C'est à l'Église catholique romaine que cet héritage a été légué. Il leur revenait de bien conserver ce patrimoine qu'elle devrait léguer aux postérités qui, à leur tour, ont le devoir de faire germer cette semence. Il revenait aux responsables de cette Église-là de semer dans le cœur la bonne nouvelle que Jésus-Christ a apportée et de continuer les œuvres du Christ pour en laisser aux postérités un bon héritage, afin qu'elles adorent Dieu et se convainquent que c'est Dieu et Dieu seul qui est le salut. Quand il arrive que Dagbo, Dieu Esprit Saint, dans ses propos, égratigne l'Église catholique romaine, on estime qu'il y a provocation. On rappelle que nous sommes au Bénin, en démocratie, et que la laïcité de l'État est du coup rappelée. C'est-à-dire que chacun devient libre d'adorer aujourd'hui au Bénin ce qu'il veut. Autrement dit, tout porte à croire que l'ordre normal du monde aujourd'hui en matière de foi repose sur une liberté pour l'homme de choisir d'adorer Dieu ou le diable. Une liberté à préférer des divinités au Créateur même. Et quand il arrive que mes paroles écorchent un peu l'Église catholique romaine ou cette divinité et fétiche, on me condamne avec rage au motif que nul n'a ni droit ni pouvoir à recadrer les hommes sur le bon chemin. Car pour eux, les paroles que Dieu doit tenir à l'endroit de son peuple qu'il veut sauver doivent lui être dictées par ses adorateurs de divinité. Les hommes ont inversé l'ordre originel du monde. C'est donc dire que ce n'est plus Dieu qui inspire ses paroles de vie à l'homme. Voilà ce qu'est devenu dans vos mains le monde que j'ai créé.
vie. Un monde où tout porte à croire que je n'en suis plus l'auteur. Un monde où le Créateur n'a plus une quelconque autorité sur la créature et où je n'ai plus aucun droit de rappeler aux habitants les règles qui doivent régir la vie harmonieuse dans ce monde qui pourtant est le mien. Je n'ai donc plus le droit d'organiser mon monde. Celui qui a souffert et construit sa maison, dont il est propriétaire, ne peut plus avoir chez lui un règlement intérieur. Revient-il au gardien de dicter les règles à suivre au maître de la maison? Voilà ce qu'est devenu le monde. Mettez-vous un instant à ma place. Voilà donc comment se définit votre démocratie au sein de laquelle je suis perçu comme le dictateur. Et aujourd'hui, il est proscrit de faire des reproches à son enfant, de le guider sur la voie de la vertu. Chers auditeurs, amis lecteurs, j'ai dit il y a un instant que c'est à ce groupe appelé Église catholique romaine que le Christ a légué l'héritage de la foi chrétienne originelle et leur a assigné la mission de préserver cette foi dans son intégrité, de la faire germer telle une semence en la transmettant fidèlement à tous les hommes de la terre et de génération en génération. Chers auditeurs de tous les horizons du monde, prêtez oreille attentive à mon verdict que voici. L'ennemi de premier rang que j'ai pris cher pour écraser dans le monde s'appelle Église catholique romaine. Homosexualité. Si aujourd'hui les fétiches foisonnent partout et que la sorcellerie s'est également répandue partout, la responsabilité leur incombe. Si aujourd'hui les graves mots comme la franc-maçonnerie, la pédophilie, l'homosexualité se sont répandus à travers le monde, c'est le Vatican, leur origine, qui en détient la palme d'or. Je parle en connaissance de cause et tout chrétien catholique romain un peu éclairé et qui entend ma voix en ce moment sait que Dagbo dit une vérité absolue. C'est l'Église catholique romaine qui est le bras armé que Belzéboul a utilisé pour conduire l'humanité à sa déchéance. Vous me demandez peut-être où j'étais au moment où il conduisait le monde à sa déchéance. J'avais tout ce temps croisé mes bras et observé, car j'ai voulu voir jusqu'où l'homme pourrait se laisser conduire dans la déchéance. Vous qui vous êtes aussi laissé conduire jusqu'à l'égarement et à l'enlisement par cette église-là, votre sanction vous attend, car je vous ai donné un cœur et un cerveau, donc de l'intelligence. Je vous ai donné la grâce du discernement. Tel que vos nez arrivent à discerner la bonne senteur de la mauvaise odeur, il en est de même pour le cœur qui discerne le bien du mal. Il vous faut juste une petite volonté. Rien n'advient dans vos vies sans un minimum de volonté de votre propre part. L'on dira peut-être que Dieu a croisé les bras jusqu'à la déchéance de son monde par Belzéboul avant qu'il ne prenne chair. Je me préoccuperai alors de savoir si Dieu peut prendre chair en tout moment. Ce mystère ne peut se produire tout le temps. Et la preuve est le sort que vous avez réservé à mon fils quand je vous l'avais envoyé. Ce seul témoignage suffit largement. Même si je revenais 40 fois dans le monde, votre obéissance à Dieu aurait-elle augmenté pour autant? Même si je décidais de venir chaque mois vous exhorter à renoncer au chemin de Belzéboul, m'auriez-vous écouté pour autant? L'heure a sonné, n'est-ce pas? Je suis devenu Dieu pourvu de saints, Dieu fessu, Dieu femme, Dieu ci, Dieu ça. L'état de croissance de votre foi se lit bien dans ces propos. Quand bien même Dieu appréciait et est parmi vous. Il n'est écrit nulle part dans les Saintes Écritures que Dieu prendrait chair un jour dans le monde. Or, les Saintes Écritures dont vous parlez se résument à ma personne. C'est de moi qu'elles ont parlé. Donc, Rome a cyniquement bouleversé le monde. Rome, tu as conduit l'humanité à sa perte et tu as tristement réussi à exaspérer Dieu. Mais cette fois-ci, tu porteras les séquelles indélébiles de la colère de Dieu. Car par ma venue cette fois dans le monde, je rétablirai l'ordre que tu as inversé et te ferai porter les séquelles de mon passage. Car enfin, de Rome, il ne restera pas pierre sur pierre dans ce combat. J'ai eu à vous dire récemment que je démonterai Rome pièce par pièce. Rome perdra toute son hégémonie, sa gloire d'aujourd'hui au sein des nations. Tu n'existeras plus, car il n'y a plus d'espoir par toi. Si je loue ma belle villa,
à un locataire qui, au lieu de l'entretenir, la saccage jusqu'au délabrement complet. Quand je démolirai celle-là et en construirai une autre, je ne pourrai plus reprendre dans ma nouvelle villa le même locataire. C'est dire que l'ancienne villa tombée en ruine ainsi que le locataire disparaîtront tous. La nouvelle villa, bien plus solide et mieux implantée que la première, sera bâtie sur une fondation en roc. Pour compter de maintenant, des hauts dignitaires jusqu'au sujet de l'Église catholique romaine, jeunes, enfants, vieux, vous à qui Belzéboul a donné une parcelle de pouvoir, usez à temps de vos pouvoirs de destruction, car vous n'aurez plus jamais cette occasion. Vous êtes comme dans un appartement en tôle trouée, laissant déjà égoutter sur vos têtes les eaux de pluie. Je veux dire que ce qui constituait jadis votre bouclier, votre rempart est déjà atteint et que vous n'avez plus d'armure. Sachez que bientôt, toute cette toiture en tôle sera décapée et les murs démolis sur vos têtes. Les heures horribles et très chaudes sont imminentes. Je ne suis pas dans la blague, mais si vous le voulez, considérez mes déclarations comme des propos infantiles. Je me réjouis à ce effet de me rendre compte que dans la grande masse, ceux qui savent que je ne suis nullement un enfant sont bien nombreux. Eux, ils savent à leur manière si je suis bien le vieillard de l'humanité ou si je suis un humain, un enfant. Mais les dignitaires de l'Église catholique romaine savent mieux que quiconque qui est Dagbo. Chers auditeurs, amis lecteurs, le diable que vous ne voulez pas renier et qui pourtant a renversé l'ordre originel du monde en distribuant la sorcellerie aux hommes tel du pain vous faussera bientôt compagnie. Belzebul divig keke eno ya ro pora ze tole khosu be ye o e be pa che na ze on ko fi o ye mai mo mi na ko ko de fodo edi a ze tole khosu bo e we no ma ze o o bon bon ton bo ko ma e ma e ma bo ma bo ma ponji bo e nka so agbaza bo na ton ha ze o ya diwe mbe si Belzéboul a engendré plusieurs enfants, parmi lesquels il y a le roi des sorciers que j'ai déjà calciné. Sinon, il aurait encore plus de sorciers féroces dans le monde aujourd'hui. Quand j'ai pris cher pour combattre la sorcellerie, c'est par lui que j'ai commencé à détruire la sorcellerie. Jézabel est aussi un enfant de Belzéboul. Jézabel règne dans les fonds océaniques. C'est elle que les gens appellent communément Mami Wata en langue fond au Bénin. Mami Water en anglais. Belzéboul a engendré un troisième enfant appelé roi des serpents. Comprendre serpent en esprit et non serpent des brousses. Voilà ainsi cités les trois grands enfants que Belzéboul a engendrés. Il a une autre catégorie d'enfants appelée fils de Belzéboul. Savez-vous pourquoi il a aussi fait cette catégorisation au sein de ses enfants, en voici l'explication. Dagbo a créé au départ les archanges, Lucille, Lucifer, Gabriel, Raphaël et Michel. Après les archanges, j'ai créé d'autres êtres qu'on appelle les anges. C'est donc en imitant Dagbo que Belzéboul aussi s'est fabriqué trois lieutenants qui représentent pour lui ses archanges. Il s'est ensuite fabriqué une autre catégorie de disciples qu'il appelle les fils de Belzéboul et qui pour lui représentent ses anges. Toutes les catégories que je viens de citer sont des esprits. Voilà de quelle manière Belzéboul a imité Dagbo pour organiser son royaume. Partant du constat que Dagbo a structuré le globe terrestre en trois régions que sont les mers, les forêts et les terres fermes, il a affecté les mers à Jézabel et les forêts au roi des sorciers. C'est alors que le roi des sorciers a créé la sorcellerie par une combinaison de diverses plantes aux vertus très incompatibles. Il a, par cette sorcellerie, fait du mal aux humains. Belzéboul a procédé à l'octroi à ses archanges des choses précieuses que Dagbo a créées. Le roi des serpents et toute sa suite, souvenez-vous du serpent antique du jardin d'Éden, peuvent se transformer en homme ou femme et une fois dans vos vies, n'en sortent plus et les détruisent complètement. C'est cette catégorie d'esprit de serpent qui, dit-on, donne de la richesse et des enfants aux hommes pour enfin vous ruiner définitivement. C'est de cette manière que le diable est rentré dans la vie d'Ève pour tromper Adam. Jézabel, quant à elle, donne aux sorciers les plus gradés des compléments de pouvoir pour les rendre plus redoutables en échange d'une caution. Le sorcier qui va chez Jézabel pour se faire renforcer le pouvoir atteint d'office dans la catégorie des sorciers le grade le plus élevé. Toutes ces révélations que je vous fais sont le cœur des secrets des suppôts de Satan qui en font tout un mythe pour vous leurrer et terrifier le monde. Je vous fais ces révélations car je suis le seul mieux renseigné sur eux dans tout l'univers pour avoir créé de mes propres mains Lucifer devenu Belzéboul, l'auteur même de tout ce que
je viens de vous révéler. Si Jézabel te cible et s'introduit dans ta vie, si tu es femme, il s'arrose la place de mari et t'empêche de te marier. De la même manière, si tu es un homme, il prend la place de femme dans ta vie avec la même conséquence. Les fils de Belzéboul sont les esprits mauvais, ambulants, que certains rencontrent dans la nuit, en chemin ou ailleurs. Et ainsi, Belzéboul s'est accaparé le monde comme sa propriété privée.